Konnichiwa, Ganase Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour le petit tutoriel sur les coffres pullants des bassins royaux. Donc on va voir les emplacements des coffres et surtout les clés qui correspondent à chaque coffre. Je suis désolé, hein, le tutoriel sort beaucoup plus tard que ce que j'avais envisagé, mais j'ai mis énormément de temps à récupérer l'une des clés qui permettait d'ouvrir ces coffres. Et c'est pour ça qu'on a pas mal de retard là-dessus par rapport à ce que j'avais prévu. Allez, sans plus attendre, on va se rendre donc au Castellum. Quand vous êtes en exploration, n'oubliez pas, prenez Castellum et non pas Confinement, puisque Confinement, vous allez arriver directement dans la nouvelle activité. Donc Castellum, vous êtes en monde libre et en exploration, et là, vous vous embêtez personne. Et le temps d'arriver sur place, on voit ça ensemble. Voilà, donc nous sommes arrivés au spawn. On va se rendre à l'intérieur du Castellum. Et donc pour les bassins royaux, on va aller dans ce bâtiment-ci. Donc si on regarde bien, on va prendre un petit peu de recul devant le bâtiment. De toute façon, vous avez la statue de Calus qui est ici. Et donc vous allez avoir l'entrée des bassins royaux. On voit bien la tête de Calus et on voit bien les deux coupelles, enfin les coupelles qui sont au niveau de l'entrée. Donc vous rentrez par ici. Et à partir de ce moment-là, de toute façon, vous allez rentrer dans un couloir, hein, comme on peut le voir ici. Et une fois que vous êtes dans ce couloir, vous ne pouvez pas vous tromper. Il n'y a pas de bifurcation possible, donc vous êtes obligé d'arriver au bon endroit. Donc vous continuez vraiment jusqu'au bout du couloir. Hein. C'est vrai que le couloir peut paraître assez long en soi. Là, on va trouver la statue qui nous indique le chemin de retour, hein, quand on fait marche arrière. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, arrivé ici, donc on est au niveau des bassins royaux. On a donc ce fameux bâtiment avec une colonne ici et surtout une grosse statue qui est ici. Donc le premier coffre, on va aller donc sur notre droite. On va longer ce petit bâtiment-ci. Et en fait, il va se retrouver juste en face de cette entrée, vous voyez. Donc là, vous allez avoir le premier coffre, hein, qui nécessitera bien sûr une clé opulente pour pouvoir être ouvert. Donc on va revenir sur nos pas, toujours pour avoir le point de référence pour que vous puissiez toujours partir de là et savoir exactement où aller dans ce cas-là. Donc pour le deuxième coffre, on va juste se débarrasser du petit mob. Voilà. Donc pour le deuxième coffre, vous avez toujours le fameux bâtiment avec la colonne en référence, la statue. En fait, il va se retrouver juste derrière cette petite lanterne. Donc si vous l'êtes juste ici, voilà, vous allez avoir votre deuxième coffre, hein, qui nécessitera également une clé opulente. Donc on va se retrouver toujours vers le point de référence et on va se diriger vers le troisième et dernier coffre que vous pouvez avoir au niveau des bassins. Donc là on a toujours le bâtiment avec la grande colonne en référence, la grande statue. Et cette fois-ci pour le troisième coffre, on va se diriger en diagonale sur notre gauche. Donc vous partez par ici, hein. Faites attention aux mobs, c'est vrai que des fois il peut y en avoir pas mal. Et là voilà, vous avez votre troisième et dernier coffre qui se trouve au niveau des bassins. Et on va voir maintenant les clés qui correspondent pour chacun des coffres. Donc on se retrouve tout de suite après, on va juste se re-rendre au niveau du point de référence. Pour repartir sur de bonnes bases et on se retrouve tout de suite après pour voir les clés correspondantes pardon, à ces trois coffres. Donc on se retrouve pour la première clé, hein, qui va être donc la clé qui s'intitule Bassin Royaux et au milieu d'imposantes colonnes. Donc lorsque vous avez cette dénomination, donc au milieu d'imposantes colonnes, en fait ça concerne le coffre numéro 1 que je vous avais montré. Donc on va s'y rendre et vous allez voir que ça va correspondre parfaitement au niveau de la clé. Donc voilà, on arrive au niveau du coffre et vous voyez utiliser la clé opulente. Donc là, vous ouvrez votre coffre et vous prenez votre récompense. Donc voilà, on se retrouve après avoir fait du démobage. Hein, donc on va retourner vers notre fameux point de référence. Donc on va voir l'ouverture du deuxième coffre, hein, qui correspond à cette clé, donc bassin royaux au pied de la grandeur. Donc j'avoue que c'est cette clé qui m'a donné le plus de mal à récupérer parce que sur la centaine de clés opulentes que j'ai dû récupérer en plus d'une semaine et demie,
Je ne l'ai récupéré qu'une fois et c'est pour ça que ce tutoriel a eu beaucoup de retard parce que je voulais qu'il soit complet. Donc quand vous avez cette clé là, en fait c'est juste le deuxième coffre, hein, comme je vous le disais. Donc vous vous dirigez vers ce coffre-ci. Et à partir de là, vous allez pouvoir l'ouvrir. Voilà qui est fait. Et on va bien sûr se retrouver donc pour l'ouverture du troisième et dernier coffre, donc avec la clé correspondante bien sûr. Donc vous avez toujours hein, la grandeur hein, qui est ici, donc vous pouvez pas vous tromper. Hein. La clé que je détiens en fait, si on regarde bien et si on inspecte de nouveau, en fait elle indique bien donc bassin royaux ou loup coulé. Et celle que je possède en fait va ouvrir le troisième coffre qu'on a vu dans le coffre, enfin dans les références des trois coffres hein, que je vous ai montré. Et donc on va s'y rendre. Là je prends bien sur la diagonale. Et il est important d'ouvrir vos coffres quand vous avez une clé opulente parce que vous ne pouvez pas en avoir plus, donc vous ne pourrez pas en récupérer tant que vous ne l'avez pas utilisé. Donc là, on va l'utiliser. Et on a eu un fauconnier. Vous voyez, on a en plus un petit triomphe, mais c'est pas de souci. Donc là, la petite astuce aussi que je pourrais vous montrer, donc on va toujours revenir au point de référence. Donc on a vu qu'on était au niveau des bassins. Si jamais vous vouliez aller au jardin à partir de là, soit vous faites demi-tour ici et vous reprenez le chemin à partir du spawn comme vous le verrez dans une autre vidéo hein, pour les emplacements des coffres au niveau des jardins. Soit vous prenez par ici. On va aller comme si on allait à l'emplacement du deuxième coffre. Et en fait ici vous allez bifurquer sur votre droite et on va prendre ce petit couloir qui est ici. À partir de ce moment là vous continuez hein, dans ce couloir-ci. Voilà. Donc on continue hein, bien sûr ce couloir, c'est peut-être un petit peu long à partir de là. On traverse quand même pas mal de choses. Mais vous allez voir qu'on va arriver au bon endroit. Vous voyez le jardin des délices. Et à partir de cet endroit là, vous êtes au niveau du jardin. Donc voilà pour la petite astuce éventuellement si vous la connaissez pas hein, pour aller directement au jardin à partir donc des bassins. J'espère que ce petit tutoriel vous sera utile, j'espère qu'il vous aura été utile. On se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo bien sûr. Je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de vos spectres.